CNDES est un établissement public de l'État, hein, sous tutelle du ministère de la Jeunesse et Sport. Donc il a pour objet de financer le sport pour tous. Hein. Le sport pour tous, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Eh bien, c'est les financements qui vont aller dans trois secteurs, à la fois les grands équipements sportifs, hein, dont le centre de tir de Châteauroux, également des financements au profit du mouvement sportif, hein, dans toute sa globalité, les financements vers les fédérations, vers les clubs, vers les ligues, vers les comités départementaux, pour structurer le mouvement sportif avec des emplois, avec des aides au sport féminin, au handisport. Nous faisons un gros effort à la demande du ministre sur le handisport avec des brillants résultats qui ont été obtenus au JO. Et donc tout ça, ça constitue une recette, enfin une dépense de 270 millions avec une recette équivalente qui vient principalement de la Française des Jeux et de la taxe Buffet sur les droits télévisuels. Voilà. Le CNDS, c'est vraiment l'opérateur du ministère de la Jeunesse et des Sports pour intervenir sur le secteur du sport pour tous. Nous sommes pas trop sur le sport du haut niveau, c'est le rôle de l'INSEP, hein, mais nous sommes un peu, je fais court, le banquier du sport amateur, et donc ça nous permet d'être connus et reconnus dans l'ensemble du monde sportif fédéral. Qui nous a, dans le projet de financement du CNTS, c'était effectivement d'abord un projet intéressant parce qu'il fédérait l'ensemble des disciplines de votre discipline. Et donc ça, c'était, me semble-t-il, un effort à la fois de cohérence, un effort de rationalisation des coûts. Vous savez qu'aujourd'hui, le but, c'est quand même d'avoir, de maîtriser les coûts, hein, parce que les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement sont importants. Et puis, je dirais également, avoir une renommée internationale, parce que le fait de pouvoir offrir un plateau qui offre l'ensemble des disciplines va permettre à la fois pour les athlètes de haut niveau, mais également pour le sport pour tous, d'avoir un véritable INSEP du tir. C'est tel que ce que le président Massiglia a utilisé comme terme, et je suis ravi que le CNDS ait pu accompagner un tel projet.